Bonjour, très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, je suis Chola et vous êtes dans l'émission Fafa. Eh bien, celle que nous allons recevoir aujourd'hui est une artiste de taille. Elle fait de la musique mandingue, elle est pimpante, mais surtout clinquante. Je vous demande de recevoir Afou Keïta qui est avec nous. Bonjour Afou. Bonjour. On va se tutoyer. Inch'Allah. D'accord. Alors, moi j'ai envie de savoir, Afou Keïta, c'est ton nom à l'état civil ou c'est un nom d'emprunt? Oh, mon nom en état civil, c'est Asta Keïta. Ah, Asta Keïta. Si tu veux, Afushata Keïta. D'accord. Ok, donc tu as diminué pour en faire Afou Keïta. Non, c'est pas moi. Une femme baoulée qui m'a donné ce nom. Afou. Une femme baoulée? Oui. Ah, dans quel fou? Oui, parce que étant enfant, j'étais en télé. Donc, c'est elle qui aidait maman. Quand maman avait parti chanter, c'est elle qui me... Ah, parce que maman chantait aussi. Oui. D'accord. C'est elle qui me lavait avec les médicaments baoulés, les médicaments qu'on prend pour laver les enfants. Enfants, oui. Voilà. Donc, je suis devenue portelée. Elle dit, mais celle-là même là, on dirait, c'est pas une fille tu l'as, un bébé tu l'as. Moi, je vais la surnommer Afoué. C'est Afoué là qui est devenue Afou. Ah, d'accord, ok. Voilà. Mais est-ce que tu parles baoulé un peu? Je parle pas baoulé. Donc, la femme baoulé, là, elle t'a lavé cadeau. Ouais. Mais jusqu'à présent, elle est là. Elle vit toujours. Oui, est-ce que de temps en temps, tu vas la voir avec des petits cadeaux? Oui, mon affaire de mamie, tu peux pas. Hein. Waouh. Donc, elle est fière de ce que tu es devenue aujourd'hui. Super. Afou Keïta, j'ai constaté que tu aimes porter l'or. Pourquoi on te voit jamais porter l'argent, par exemple? L'argent quoi? L'argent blanc. Tu préfères l'or à l'argent quoi? Excusez-moi d'abord pour ma voix. Pourquoi j'aime or? Par rapport à l'argent blanc. Ok, là, là, c'est pour les pauvres. Ah oui? Ah, vraiment, nous, si on gagne or là, c'est pas pour les pauvres. Ok, là, là, c'est pour les pauvres. Basé que tu vois sur moi là, c'est pour les pauvres. Si moi je te dis pas, ce basé là, va si. Sur mon premier Facebook, tu vas voir le même bazar. Ça fait au moins 8 ans que je suis basé là. Mais j'ai porté ce matin, tu vas dire que c'est aujourd'hui que j'ai acheté. Ça brille. Ça brille. Ces jours-là, j'ai acheté. C'est l'entretien. C'est la même chose aussi comme or. Tu achètes quand tu as l'argent. Tu gâtes. Le jour que tu n'es pas là, ça peut t'aider à réaliser quelque chose. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que c'est comme un investissement. Merci. Tu vois, argent blanc là, tu vas porter, c'est joli. C'est vrai. Vous ne verrez pas couti, c'est joli. Bon, moi, ma maman, comme je suis sa seule fille, peut-être, quand j'étais enfant là, c'est or, elle mettait sur mon cou. Tout de suite, si moi je porte pas côté, c'est pas pour me foutre des gens, c'est pas pour parler mal aux gens. Oui, il y a des personnes qui sont allergiques à je ça. Je suis en fait. Allergique. Voilà, à ça va te donner des c'est boutons. C'est des choses sur que je suis allergique ça, à ça. Ça, c'est le signe de la richesse. Ah oui. Ah, oh, ça, c'est le signe de la richesse. Oui. Ah, oh. Alors, ça, si je porte pas côté, tout de suite, d'ici le soir, tout ici, là, ça devient plein. Tu vois. Donc, tu donc, préfères l'or, ça te va même mieux. Même chaussure, tapette là. Si c'est en caoutchouc, ça me donne des boutons. Ah bon? Au pied. Ah, à fond. Donc, c'est pas petite femme, hein? Donc, je suis allergique à les deux. Maintenant, si ça te fait mal. À qui? À fond, on dirait. Toi-même, tu lances tes petits piques un peu. Non, c'est pas ça. Ça peut faire mal à celle-là, ce qu'elle dit. Si ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. Pourquoi j'adore la grande soeur, comment on appelle ça? Celle qui a brèche là. Comment elle, Chantal Taïva. Chantal, je l'aimais à cause de ses chaussures. Toutes les femmes là, sont coup de cœur. Ou bien c'est pas comme ça on dit. C'est ça. C'est français d'habiller. C'est qu'on a ramassé là.
Sinon, école, là, on n'est pas parti. Mais ceux qui travaillent au bureau, là, ils ne sont même pas mieux que nous. Ah oui, moi, je suis fière de dire ça. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un handicap. Je suis fière de dire mon petit français. Cette dame-là, pourquoi moi je paye les chaussures chères italiennes, ça cause quand cette... J'entends ça. Voilà. Parce que quand on partait, en ce moment, j'étais encore un peu jeune, je la voyais porter les vraies chaussures. Ah ouais? Quand elle allait comme ça, elle dit, Matico, Tico. Ça t'a plu, tico. Tu as aimé ça, donc... Donc, je me suis dit que c'est les chaussures, c'est payé aujourd'hui cher, ça fait la servir demain. C'est la couleur, couleur. Demain, là, même si ce n'est pas l'argent, et qu'elle veut porter un habit, ça va avec le rouge, ça va avec le jaune. Elle n'est pas aller acheter encore chaussures. Au lieu d'aller payer chaussures 10 000 francs, tu restes, et puis chaussures 10 000 là, ça ne va pas te laisser quelque part où tu arrives à l'assise là. C'est là-bas, ça va te honnir. C'est là-bas même va choisir pour aller te coller là-bas. C'est arrivé à ma pensée. En tout cas, ça nous fait plaisir parce que Afou Keita nous apprend plein de choses sur elle. Et puis, on n'a pas terminé. Merci à vous de nous suivre. On est toujours en compagnie de la diva mondaine Afou Keita. Alors, Afou, comme je voulais savoir, je suis affairée, hein. Voilà. Je fais partie un peu des papatos parce que nous, on aime affairage. Ah ouais? Oui, parce que dernièrement, on ne te voit pas trop sur la scène musicale. Est-ce que Afou continue de tourner comme avant ou alors tu es complètement en mode repos? Tu prépares quelque chose pour les Ivoiriens? D'abord, avant de répondre à ta question, aujourd'hui, tout le monde est devenu chanteuse. Chacun chante n'importe quoi. Quand tu dis chacun chante n'importe quoi, là, tu as quelqu'un en tête, tu penses à qui? Personne. Ah, bon, d'accord. Personne. Parce que tout le monde chante, même mélodie là, c'est les paroles qui changent. Je ne comprends rien. Donc, chacun a son style musical. Voilà. Pour mieux sauter, il faut reculer. Il faut reculer un peu. Ça fait un. Et aujourd'hui, que tu veux pas, je tiens le flambeau. De la musique mondaine, parce que tu as la tête. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Afou Keita doit s'arranger chaque fois. Il a de nouveaux signaux, les deux nouveaux signaux qui sont sortis maintenant là, Nebendia. Et ça veut dire quoi? Oh, pour moi, eh bien. Ah, d'accord, ok. Quand je dis pour moi, et bien, je dis comme ça dans la chanson, Nebendia. Pour toi, tu vas dire que c'est à cause de l'argent, non? Si tu es en bonne santé, pour toi, et bien. Et ceux qui sont couchés à l'hôpital, c'est une grâce. Ceux qui sont couchés à l'hôpital, ils ont fait quoi à Dieu? Rien. Si je dis que pour moi, et bien, c'est pas à cause de la couronne, les jolis boubous d'ailleurs, c'est pas à cause des bijoux, c'est pas à cause de l'argent. Si tu as quelqu'un dans ta vie à qui tu te confies, qui te donne des bons conseils, pour toi et bien. Si tu es un bon enfant, qui te rend fier, qui te rend fier, que tu lis pas, il écoute, pour toi et bien. Donc voilà ce que je chante dans le nouveau single qui va sortir bientôt. Qui est sorti même. Qui est déjà sorti. Oui, votre télé même divise. Ah, le dernier qu'on passe en ce moment, d'accord, ok. Maintenant, deuxième single, Domanditoe. Aujourd'hui, ça signifie quoi? Voilà, toi, tu es assis à côté de moi, là. Tu ne sais pas ce qui est dans mon cœur. Moi, je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. C'est ça. Mais on rit ensemble. C'est comme c'est l'hypocrisie, en fait. C'est un mot, c'est hypocrisie. Tu vois? Il faut dire que l'hypocrisie dans notre milieu, c'est assez récurrent parce que, bon. On voit la rivalité entre chanteuses. C'est quoi tes rapports aujourd'hui avec Mawa Traoré? Pardon? C'est quoi tes rapports avec Mawa Traoré? Mawa, c'est qui était ta rivale musicale, hein, dans le temps. Non. Il n'y a jamais eu rivalité entre moi et Mawa. J'ai dit ça haut et fort. J'ai dit, moi j'ai classé tout le monde. J'ai dit que Aïcha Kone, elle sera toujours la maman. La madre. C'est elle qui nous a montré comment. La voie, le chemin. Merci. Elle a ouvert la route. Après, Aïcha, je parle de milieu mandingue. Sinon, moi-même, ma maman, elle était célèbre à sa manière, mais pas celle musicale comme ça. D'accord. Tu vois. Donc, après, Aïcha Kone, Mawa,
elle reste toujours la maman de Afu Keita, la tante de Afu Keita. Mais attends, celle même que tu dis que c'est ta maman, tu ne peux pas faire rivalité avec elle. C'est clair. Mamie, c'est ma grande soeur. Jetene Fiman, c'est ma grande soeur. Madjene, c'est ma petite soeur. Ainsi de suite. Dans ma tête, là, je me dis que d'abord, il faut te faire une vie dans la tête. Tu vas évoluer. Ce qui sort ici, là, ce qui sort dans la bouche, là, hein, c'est ça les gens entendent. Mm-hmm. Mais ce qui est dans ton cœur, là, c'est Dieu seul qui connaît. Donc chacun n'est comme moi. C'est ce que moi je dis toujours. Tout le monde n'est comme les saints et Dieu. Si je suis contre quelqu'un. Non. La chance là. Toi, tu peux bien parler français. Les gens de. Excusez-moi de dire le nom d'une chaîne comme ça. Mm-hmm. Et puis, vous allez faire un concours. Toi-même, tu sais que tu es plus fort, fort que celle-là. Mm-hmm. Mais sachant souvent qu'ils vont les arrêter. Ils vont prendre et puis te laisser. Toi, ils vont te laisser. C'est ça. Donc, dans la vie, là, c'est comme ça. Mm-hmm. Chacun a sa chance. En gros, c'est ce que tu veux nous dire dans la chanson. D'accord, ok. Dans ces jours-là, mm-hmm. tu pars en voyage. Tu vas où exactement? Je vais à la Australie encore. Mm-hmm. Pour faire quoi? Je vais pour un mariage. Tu auras gomboté. Ça veut dire qu'il y a l'argent derrière. Afu Keita, eh, Afu Keita, là. Afu Keita, là. Afu Wario, Wario. Tu sais que aujourd'hui là, ma petite soeur, je vais te dire quelque chose. Oui, ma grande soeur. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui là, tu n'es rien. Tu n'as rien. C'est la vérité qui est là. Nous avons entendu, très cher téléspectateur, Afu vient de dire, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Mais si tu as l'argent aussi là, il ne faut pas avoir grosse tête. C'est ça. C'est Dieu qui est là. Il faut être humble. Si tu es... aujourd'hui, parmi les milliers de personnes, c'est comme ça on dit, non? Les milliers de personnes. Voilà, il t'a donné un peu de vivre avec ça là. Faut pas venir étaler ta vie. C'est ça. Vous dites que oui, j'ai l'argent, je roule dans les avions, je suis comme ça, je voyage dans première classe. Moi, tellement que j'aime l'argent là. Je n'ai jamais voyagé dans première classe. C'est que je fais mes calculs. En classe éco, tranquillement. Non, je suis derrière. Avion, si ça avait tombé là, ceux qui sont en haut, devant là, ce sont eux qui vont, ils vont les sauver quoi. Non, c'est tout le monde qui est dans le même bateau là. Effectivement. Donc, moi je calcule, au lieu d'aller payer mon billet à 1 500 000, je préfère payer mon billet à 700 000. Mm-hmm. Le reste là, je prends ça pour faire mon séjour, mm-hmm. je fais mon bombo pour compléter l'argent que j'ai dépensé là. J'enlève ça dedans mm-hmm. et puis j'avance avec le reste. Enfant pauvre et pauvre. Donc, ça veut dire que Afu, tu es une femme à mon âme. Tu connais la valeur de l'argent. J'ai aimé ça. Vraiment. Donc, aujourd'hui, là, quand on dit Afu aime Boubou, là, Boubou, là, on achète un. Comment on appelle mort? Non, il faut chercher. L'argent. Ah, moi, je vais avoir beaucoup d'argent. Voilà. L'argent. L'argent. En tout cas, très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, comme vous l'avez constaté, on était en compagnie de la diva mondingue ivoirienne Afu Keita qui nous a reçus chez elle. En tout cas, je peux vous rassurer, elle va bien, elle est bien portante, elle a toujours ses gombos, elle tourne énormément et bientôt, vous la reverrez sur la scène ivoirienne avec un nouveau single. Entre-temps, cette émission est malheureusement terminée, je sais. On va se dire à la semaine prochaine. C'était chaud là, même heure, mais surtout même canal Ivoire Télé Musique. Afu Keita, on va pas partir comme ça. Tu vas donner ton mot de fin. Qu'est-ce que tu veux que les téléspectateurs d'Ivoire Télé Musique retiennent d'Afu Keita? Je vais me lever. Bien sûr. Nous-mêmes, on veut que tu te lèves. Lève-toi. Attends, je vais me lever. Voilà. Hey, my God. Très chers téléspectateurs, Afu va se lever pour votre bon plaisir. Elle a quelque chose à vous dire et elle va le faire. Très important d'ailleurs. Je te tiens ça. Voilà, très important d'ailleurs. Je peux dire Ndjula un peu. Vas-y, Afu, mets-toi à tes aises. Voilà, je suis tellement à l'aise en Ndjula. D'accord. Français, là, souvent, là, ça me stresse. Ivoire TV Musique. C'est ça. Ivoire TV Musique. Musique Flébron. Olu Lépé, Anou Mouna.
Mais mon enfant premier, Madame Bakayoko, Kafou, Kawali, Mando, Ka Ekipou Bella Jennifer, Ka Kameramani Benfo, Ka Côte d'Ivoire Djama Benfo, Mouronite Ivoire TV Musique, non, Douala, que de bonne musique. Donc, mina mi foi, Niana, et Allah. Et Allah! Kouala yu nevendia. Bila yu nevendia. Djonga medu déplacer, mouna leka déplacer. Mouna bara yogo, madame bara yogo. Konde bla la bayo ila. Mouna doka do kenye. Amedi doka do kenye. Nde bla la bayo ila. Oh, merci. C'était pour vous dire bon dimanche à vous. Et merci de m'avoir vraiment. Merci à Ivoire TV Musique. Merci à Ivoire TV Musique de se déplacer. C'est musique qui a fait aujourd'hui que tout le monde connaît Afou. Sinon, Afou n'est pas parti à l'école. Donc, Lala, merci. Mais ça n'empêche rien merci. À la grandeur d'âme merci. Que tu as. Tu me voilà. Vois pas bien. Voilà. Qui va se négliger? Jamais quelqu'un va se négliger. Je me néglige. Voilà. Jamais de ma vie, moi je ne C'est de ça qu'il s'agit. Non. Le fait est que ce n'est pas le fait d'aller à l'école ou d'être instruit qui est important, mais c'est l'âme, la pureté de l'âme que tu as là. C'est ça qui fait qu'on t'aime et c'est ça qui fait qu'on te respecte.